Le marché des transferts aborde sa dernière ligne droite. Et si certains, des deux côtés des Pyrénées, continuent d'affirmer que le Real Madrid s'apprête à passer à l'attaque pour enrôler Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore sera bel et bien parisien cette saison encore. On reste là, a-t-il hurlé, samedi, après avoir ouvert le score face à Toulouse. Et jeudi, en conférence de presse, c'est Carlo Ancelotti qui a enterré les dernières rumeurs envoyant l'ancien monégasque au Real Madrid. De nouvelles recrues au Real Madrid cet été. Je peux totalement l'écarter. C'est un non à 100%. C'est terminé, il n'y aura aucun renfort avant la fermeture du marché. L'effectif est fermé, a-t-il ainsi affirmé, ruinant les espoirs des supporters madrilènes qui espéraient voir arriver l'attaquant parisien. Kylian Mbappé disputera donc bien sa 7e saison à Paris et à en croire Sky, il est même de plus en plus question d'une prolongation entre le Gondinois et le club de la capitale. La relation entre les deux parties est désormais apaisée et depuis la réintégration du meilleur buteur de Ligue 1 au sein du groupe de Luis Enrique, les discussions au sujet de l'avenir du numéro 7 parisien ont débuté. Deux options se présentent sur la table, la signature de l'option de prolongation d'un an jusqu'en 2025 ou celle d'un nouveau contrat qui lierait l'international tricolore au rouge et bleu pour plusieurs saisons. Une solution que KM7 est désormais prêt à envisager.